C'est dans cette zone combien difficile que le président de l'URD a emprunté pour rencontrer ses militants des zones les plus reculées du septentrion malien. Les sections URD des communes de Gorkou, Koumaïra, Saraféré, Banikani et Niafenke se sont à leur tour massivement mobilisées pour répondre aux attentes du parti. Moment d'échange profité par les sections pour faire l'état des lieux sur la vie du parti dans ces zones. La bonne nouvelle que je suis heureux de vous livrer est que le parti se porte à merveille dans la commune de Mor. Sur les 54 villages de la commune, l'URD compte 54 comités fortement implantés. La sous-section tient de façon régulière ses réunions statutaires. Des réunions extraordinaires se font pour résoudre les problèmes urgents des militants. La sous-section a eu à participer à toutes les conférences des sections de Niafé. Vous intervenez uniquement dans le cadre de l'intérêt supérieur des Maliens. Les nombreuses révélations constructives que vous avez eues à faire ont ouvert les yeux et les esprits de beaucoup de Maliens. Monsieur le Président, nous vous remercions. Ce bastion électoral a conduit le chef de file de l'opposition à l'hémicycle. Il est donc important pour l'élu de Niafenke d'effectuer un déplacement spécial pour les remercier et les informer. C'est là que j'ai été élu. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de revenir à cause de l'insécurité et à cause de mes occupations nationales et internationales. J'ai traversé le pays de la façon la plus normale pour nous, c'est-à-dire des pistes, des digues et souvent avec un guide. Absolument sans guide, je ne peux même pas faire 30 km. Je crois que toute l'équipe a vécu cela avec moi. C'est malheureusement le quotidien des populations ici. Ils ne savent pas où aller. Ils ont le sentiment profond d'avoir été abandonnés. Je suis venu ici, bien sûr, pour les remercier des gestes qu'ils ont fait pour moi en me disant. Je suis venu les remercier pour le vote massif qu'ils ont fait pour moi à la présidentielle et pour l'amour qu'ils ont pour notre parti, pour les ralliements quotidiens. Et je crois que je me devais de le faire parce que tout simplement, j'ai une population qui est très fidèle, qui est très engagée, qui aime profondément les Maliens. Je me devais aussi de leur donner les nouvelles du pays. Visiblement touchés par cette marque de confiance, les populations ont manifesté leur joie à travers des cadeaux symboliques à la délégation. Les notabilités des zones traversées ont reçu la visite des responsables du parti. Les communes de Tonka, Direi et Gundam attendent les responsables de l'URD au cours de la semaine.